Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo sur comment faire du... comment se connecter à 5M, Alt 5, etc. Avec le GTA 5 de Epic Games qu'on a eu gratuitement. Regarde, on va dans la bibliothèque, il est juste là, c'est pas du fake. Voilà. Donc là, on a GTA Launcher. C'est un lien Mediafire, donc il sera dans la description. En fait, c'est ce fichier qu'on n'a pas dans le GTA de Epic Games. Et c'est ce fichier qu'il faut pour aller sur les serveurs, enfin, pour aller sur 5VM, Alt 5, etc. Donc, vous le téléchargez. Une fois que c'est téléchargé, bah moi je l'ai déjà. Moi je le supprime, mais vous ne le supprimez pas. Vous ouvrez votre explorateur de fichiers. Vous ouvrez votre explorateur de fichiers. Vous allez là où vous l'avez mis. Moi il est dans mon disque local D. Ce PC, disque local D. Et là on voit GTA 5. Donc on voit que GTA et Launcher il est là. Je l'ai mis deux fois, je sais pas pourquoi. Donc en gros vous le prenez sur votre. Vous le placez sur votre bureau. Attendez, s'il vous plaît, voilà, là il est sur votre bureau, on est juste à faire ça en fait. Là il est sur votre bureau, enfin là il est, vous les mettez dans votre fichier et voilà, voilà vous fermez et on va se connecter sur sur 5M. Ok, donc là on se connecte au serveur, ça c'est le serveur de mon pote. Et voilà, on arrive sur... Donc je vais vite vous montrer le... Je vais faire le clic là. Le Discord est en description, donc si vous voyez qu'il est un peu vide, c'est normal. Ne jugez pas ma conduite, de base je joue manette et pas clavier souris. Et oui, parce que sur ce serveur la manette n'est pas compatible. Je sais que sur certains serveurs la manette est compatible, mais pas là. Donc moi je travaille à la Expedia ici. Et voilà. Par contre, je trouve pas ma... Avant, il y avait une Mercedes, je la trouve plus. Mais bref, si vous voulez rejoindre ce serveur, le Discord sera en description. Donc voici sa chaîne où il fait du GTRP, vous voyez, il fait à peu près les lives, il monte sa map et tout, etc.
Donc si vous avez aimé la vidéo, si la vidéo vous a servi, ben dites-le moi en commentaire si ça a marché pour vous. Et je vous mettrai le lien bien sûr en description. Et ben merci d'avoir regardé. Bonne journée à vous les enfants.